Alors, reprenons le cours des événements. Ok, ça c'est fait. Alors, l'anecdote harmonica au cinéma, bon, ça c'est très rapide. Mais en fait, c'est que, en fait, c'est pourquoi je vous raconte toutes ces anecdotes, c'est parce que bah, c'est pour vous montrer qu'on peut jouer l'harmonica à tout instant, un peu dans toutes les situations. Et parfois, on se dit, bah non, je vais quand même pas sortir mon harmonica là, c'est quand même pas le lieu. Bah, et alors, pourquoi ce serait pas le lieu? Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de lieu interdit, enfin, je pense pas. Peut-être, hein, mais bon. Globalement, on peut sortir son harmonica un peu n'importe où. Et donc, ça, c'est une vieille anecdote, mais j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. C'est que j'étais en train de faire la queue au cinéma pour aller voir un nouvel épisode de Star Wars, parce que, alors là, s'il y a bien une constante dans la famille, c'est qu'on est tous fans de Star Wars, ben, alors des fans absolus. Mon père m'a fait découvrir Star Wars, mon frère aussi fan, et moi aussi. Enfin voilà, donc on rate jamais un épisode ou un truc. Dès qu'il y a un truc qui sort sur Star Wars, un jeu, tout, bon, on est à fond dedans. Et du coup, bah, il y avait un monde fou pour aller voir le dernier épisode de Star Wars, comme vous pouvez l'imaginer. Et je me suis dit, bah, tiens, en attendant, bon, les gens discutaient un peu entre eux, etc. Bon, et je me suis dit, tiens, pour amuser la galerie, je vais faire un petit air d'harmonica. Donc, c'était pas dans le cinéma, j'aurais pu le faire dans le cinéma, pourquoi pas, mais il y a toujours un peu de musique dans le cinéma, mais c'était dans la file d'attente, quoi. Et ben voilà, c'est aussi encore une occasion de sortir votre petit instrument et puis de faire une petite musique. Donc, j'ai joué ça, en fait. Vous l'apprendre si vous voulez, si ça vous dit. Voilà, donc ça se fait uniquement avec des notes naturelles. Bon, c'est le début hein, de voilà, la musique de Star Wars, vous avez sûrement reconnu, pour les fans du genre. Donc voilà, c'est Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol. Fa, mi, fa, ré. Ok, donc ça fait ça. On pouvait le faire sur n'importe quelle tonalité harmonica, évidemment. Faites ça deux fois et ça a fait marrer tout le monde et les gens vous applaudissent et voilà, ils trouvent ça marrant. Ils se disent, bah tiens, à lui, il est vraiment geek jusqu'au bout, il joue même le thème de Star Wars. Ok. Je vois que Jean-Louis s'essaye à Star Wars. Super. Voilà, si vous voulez le jouer maintenant. Tac. Je vous le mettrai en. Sous la vidéo. Allez, Jean-Louis. Voilà, on a une autre version, un autre épisode peut-être. Ok, ce sera pour tout à l'heure peut-être. Ben voilà, donc amusez-vous avec ça si ça vous dit. OK.